Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre édition d'information sur la Radio-Télévision nationale congolaise et c'est parti pour ce journal. Ne considérez pas nos faiblesses, mais plutôt notre volonté de changer ce message et l'essentiel des arguments présentés aux hommes d'affaires britanniques par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était lors du sommet sur les investissements en Afrique organisé par le magazine Financial Times à Londres, en Grande-Bretagne. Nos reporters à Londres, Patrick Michel Moukoui et Roger Dieye. À Londres, comme à New York, il y a un mois, Félix-Antoine Tshisekedi est resté constant dans sa démarche d'un Congo qui ne cache surtout pas ses intentions de prospérer sans pour autant sacrifier sa souveraineté. L'invitation du Financial Times a offert une tribune de plus au président Tshisekedi pour ouvrir davantage les portes de son pays au monde des affaires britanniques représenté à ce sommet Afrique. Exhortant ce potentiel investisseur à ne pas considérer les faiblesses de son pays, mais plutôt sa volonté de changer, le président de la République a rappelé que la considération de pays solution au changement climatique reconnu à son pays ne lui donne pas le droit de sacrifier sa population dans la pauvreté, d'où l'assurance d'une utilisation rationnelle de sa biodiversité et de ses ressources naturelles, au travers notamment l'exploitation de ce bloc pétrolier et gazier. Dans l'interaction qui a suivi son allocution, le chef de l'État congolais a encore une fois dénoncé le silence flagrant de la communauté internationale face à l'attitude du Rwanda, déguisé en M23 et qui mène sereinement son agression sur la RDC. Je saisis donc l'opportunité qui m'est offerte ici par cet événement pour dénoncer cette passivité et parfois complicité dans le traitement et la considération donnée à la couverture médiatique et politique des événements et en cours en Afrique, et en appelle à davantage de responsabilité et d'enthousiasme quant à la capacité de cette Afrique à garantir la sécurité de ses populations, mais également des investissements qui y sont développés. Sur base d'une bonne gouvernance, Félix-Antoine Tshisekedi a rassuré le monde des affaires britanniques de l'assainissement progressif de l'environnement des affaires dans son pays. Les premiers arrivés seront les premiers servis, a-t-il lâché d'un air amusant et franc. Si vous attendiez que nous devenions parfaits pour nous approcher, je ne sais pas si ce jour arrivera. Je crois qu'il faut observer ce qui se passe en République démocratique du Congo et il y a un signal fort de volonté de changer les choses. Nous avons encore des défauts, nous avons encore des faiblesses, mais c'est notre volonté à vouloir les changer, les rectifier, qui doit vous encourager et non pas la situation qui prévaut actuellement. La question de la préservation de l'environnement, les possibilités d'investissement, les opportunités offertes dans l'économie verte, l'hôte du Financial Times 2022 a donné des réponses appropriées à la thématique retenue à ce sommet avant de quitter la tribune. Les applaudissements de l'assistance rassurent du leadership sous lequel le Congo tient dès ses deux mains son ouverture au monde et sa souveraineté, bien que menacée. À présent, nous vous proposons cette mise au point de la cellule de communication du président de la République qui informe l'opinion nationale et internationale que, contrairement à une certaine rumeur répandue dans les réseaux sociaux au sujet des dernières nominations au sein de l'armée, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est commandant suprême des FARDC, n'a jamais nommé un officier supérieur décédé. En effet, par erreur de prononciation, la lectrice des ordonnances a prononcé Kisembwe en lieu et place du général Kisembwe Lamuseni, nommé à la tête d'une zone de défense, qui est un ancien commandant de la garde républicaine. Lauréat de la dernière promotion 2022 du CHESD, entendez Collège des hautes études et de stratégie et des défenses, le général Kisembwe Lamuseni était affecté dans les zones opérationnelles de l'Ituri et de Otuélé. Pour toute autre précision, l'identité de nominé, prière de se référer au journal officiel de la République démocratique du Congo. C'est signé depuis Londres, Eric Nindou, directeur de communication de la présidence de la République.
Le projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances exercice 2021 vient d'être examiné par les élus nationaux. La vice-ministre de Finances, qui a représenté l'économie générale de ce texte, a fait savoir à la représentation nationale une forte augmentation des recettes des impôts, soit 72,2%. Onège Ntsele a obtenu 48 heures pour venir répondre aux préoccupations des élus. On fait le point avec Bernard Baudot et Sylvie Mouimbo. La plénière du mardi 18 octobre 2022 était essentiellement consacrée à l'examen du projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances exercice 2021. Sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko-Diapwanga, la vice-ministre de finances, Onège Ntsele Mimpa, a fait l'économie générale du texte de ce projet de loi. Ayant considéré les observations du rapport de la Cour des comptes, la vice-ministre de finances a présenté aux élus nationaux le projet en équilibre en réserve et en dépenses du budget général équivalent en francs congolais de 15 157,32 milliards. Concernant le recette des impôts par rapport au budget de 2020, l'augmentation en francs congolais est de 305,5 milliards de francs congolais, soit 76,2%. La chaîne des dépenses du crédit budgétaire est revenue plusieurs fois dans l'ensemble des préoccupations des élus du peuple. Après débat, la vice-ministre de Finances a sollicité et obtenu 48 heures pour leur réplique devant la représentation nationale. En restant toujours à l'Assemblée nationale, pour dire que l'actualité, c'est également cette motion de défiance qui pèse sur la tête de Chérubin Okende Senga, ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, depuis près de deux semaines, qui sera d'ailleurs examinée tout à l'heure, aujourd'hui, mercredi 19 octobre 2022, par les élus nationaux, qui lui reprochent la mauvaise gestion, non seulement du dossier permis de conduire, mais aussi de son secteur en général. Nous y reviendrons avec force de tête au cours de nos prochaines éditions. Échanger sur les réalisations du PNUD en matière de développement RDC, c'est le but de cet atelier dénommé Mardi de développement. C'était en présence des partenaires des différentes institutions. Au reportage, Junior Yangumba et Mamita Bangoulou. Le Mardi développement est un espace mis en place par les PNUD pour repasser en revue des résultats qui ont été atteints et également d'avoir une discussion avec tous les partenaires qui veulent accompagner les actions humanitaires au développement durable en République démocratique du Congo. Dans cet espace du Mardi de développement, les PNUD a présenté son rapport annuel illustré pour 2021. Des documentaires basés sur les violences sexuelles ont été projetés dans le but de restaurer l'autorité de l'État dans ces coins touchés par des violences. Travailler sur la réinsertion, l'autonomisation de la femme victime des violences sexuelles, la réhabilitation des infrastructures et la protection de l'environnement. Le PNUD appuie le gouvernement congolais à la réalisation de tous les objectifs assignés au développement, comme l'a déclaré Mme Rokia, la représentante résidente adjointe du PNUD à Kinshasa. Les partenaires du gouvernement, les bailleurs de fonds, les agences du système des nations et société civile pour partager ensemble les résultats que le SPUD a pu obtenir durant Des représentants des différentes institutions sont sortis satisfaits dans cet espace Mardi Développement conçu par les PNUD. Des discussions précieuses ont été abordées dans l'objectif d'atteindre le développement durable en RDC. Parlons justice dans ce journal avec le procès dans l'affaire de la chute de Bounagana. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu, dont les colonels Lobo et Diadiawa Jean-Marie sont poursuivis. L'arrêt de la cour militaire du Nord Kivu sur la demande de la mise en liberté provisoire des prévenus sera rendu aujourd'hui 19 octobre 2022. Les avocats de la défense justifient cette requête par le mauvais état de santé de leurs clients. Reportage Marie Kalong. Le colonel Diadiwa Diadia Jean-Marie et le colonel Lobo, ces deux officiers des FARDC, auraient occasionné la chute de Bounagana, cité frontalière de l'Ouganda, depuis le mois de juin de l'année en cours, à en croire le ministère public. L'organe de la loi les poursuit pour quatre infractions, à savoir fuite devant l'ennemi,
abandon d'armes et munitions de guerre, violation des consignes et détournement de fonds alloués aux opérations. Pour l'organe accusateur, le colonel Kangela, ses armes et munitions de guerre ont été abandonnées par les prévenus lors des affrontements entre les éléments du mouvement terroriste M23 et les FARDC. Au cours de cette deuxième audience de la Cour militaire du Nord Kivu présidée par le premier président, le colonel magistrat Kabea Yahanou Ben, les prévenus qui se trouvent en détention depuis le mois de juillet ont, avec le concours de leurs avocats, sollicité une mise en liberté provisoire pour raison de santé. Nous sollicitons de votre cour que nos clients soient gardés dans un endroit qui préserve leur santé et non cet endroit ici, parce que sinon ça sera précipité leur mort. Le ministère public a émis un avis défavorable à cette requête, vu la gravité des faits leur reprochés. Accorder la liberté provisoire entraverait, monsieur le président, à l'instruction de cette affaire. Entraverait. Poursuivre pour des faits gravissimes, ils sont conscients qu'il y a un danger qui les guette. Les colonels Lobo et Diadiwa courent la peine capitale une fois reconnus coupables. Il faut dire que l'arrêt avant dire droit de la Cour militaire du Nord Kivu relative à la demande de liberté provisoire des prévenus est attendu. Et sachez également que le PNUD vole au secours de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature. Un millier d'ouvrages a été remis au président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamouleta, dans le cadre de renforcement de capacité de ces deux institutions judiciaires. Reportage Jean-Pierre Ndolo Demazou, rendu par Béatrice Chaco. Le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamouleta, a reçu mardi 18 octobre 2022 une invitation du PNUD conduite par M. Lucien Toulou, team leader gouvernance au PNUD. Porteur d'un lot de 1000 ouvrages destinés à la Cour constitutionnelle et au Conseil supérieur de la magistrature, ces cadres du programme des Nations Unies pour le développement se réjouissent du partenariat entre leur institution et la plus haute juridiction du pays. À l'issue de l'audience, le chef de cette délégation, Lucien Toulou, a affirmé à la presse qu'avec le président Dieudonné Kamouleta, son équipe a fait un tour d'horizon des appuis que le PNUD apporte à la Cour constitutionnelle à travers le programme d'appui à la réforme de la justice et l'appui au Conseil supérieur de la magistrature et à la question des contentieux électoraux. Nous sommes très heureux d'avoir été reçus par le président de la Cour constitutionnelle. Nous avons fait un tour d'horizon des appuis que le PNUD apporte à la Cour constitutionnelle à travers notre programme d'appui à la réforme de la justice, mais également l'appui que nous apportons au Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons évoqué aussi l'appui que nous pourrions apporter à la Cour en relation avec les questions de contentieux électoral. Les ouvrages mis à la disposition de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, à en croire M. Toulou, ont pour finalité de renforcer les capacités du système judiciaire à travers les acteurs qui vont bénéficier des compétences et connaissances pour mieux faire leur travail. Et parlons à présent de cette visite de travail de la vice-présidente de l'ONG IPAS au corps de santé militaire. Madame Mouadi Moukenge s'y est rendue le lundi dernier. C'était au camp lieutenant-colonel Kokolo. Regardez. Le général Major Ngomo Weninda Monique, commandant sortant du corps de santé militaire, a eu un entretien avec Madame Mouadi Moukenge, vice-présidente de l'organisation non gouvernementale IPAS, à l'état-major du corps de santé militaire le lundi 17 octobre 2022. Au cours de leur échange, il a été question d'améliorer la qualité des soins de santé, de la reproduction et de la contraception, sans oublier la sensibilisation de jeunes filles et des épouses des militaires. Celles-ci doivent savoir le rôle de la contraception et de l'avortement sécurisé en cas de viol. Après avoir signé le livre d'or du corps de santé militaire, Madame Mouadi a répondu aux questions des co-militaires. À travers ce partenariat, nous sommes en train de répondre à ce besoin. Le but, c'est d'apprécier les différents partenariats que IPAS tient avec les différentes parties prenantes. Il y a des partenariats au sein du corps militaire. Ensemble, nous pensons qu'on peut améliorer l'accès à l'information et les soins de la santé et de la reproduction. Le général Major Ngomo a aussi livré ses impressions. Nous sommes satisfaits, nous sommes très contents. L'armée en général, à travers le corps de santé militaire, est flattée
d'avoir reçu Madame Mouadi, qui est directrice adjointe de l'IPAS, et nous ne pouvons qu'être contents parce que nous avons pu échanger sur les sujets qui nous intéressaient. Pour rappel, l'IPAS a la mission de promouvoir le droit sexuel et la santé de production de la femme. L'IPAS fait la promotion de l'avortement sécurisé par rapport au viol, inceste et grossesse en danger. Rendons-nous en Roumanie où la RDC vient de signer l'acte d'engagement final des résolutions de la conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale de télécommunications, UIT. C'est le secrétaire général au PTNTIC qui a porté la voix de la RDC dans ce grand forum. Notre envoyé spécial, Nono Mantekou. Le monde numérique se donne rendez-vous à Bucarest, capitale de la Roumanie. Cet acte d'engagement final des résolutions de l'Union internationale des télécommunications dans la RDC fait partie, va permettre aux États signataires de mettre en place les dispositions nécessaires pour la réalisation des objectifs du PP22. La voix de la RDC a été portée par le secrétaire général des PTNTIC, Vincent Ikimba. Parmi ces résolutions, on note la réduction de la fracture numérique par la connectivité intégrale numérique, la promotion de l'intelligence artificielle en favorisant l'Internet des objets et des villes intelligentes et durables, ainsi qu'aider les États membres à lutter contre les vols des dispositifs mobiles et à prévenir ces phénomènes. Ces travaux ont permis également aux participants de formuler quelques recommandations, notamment l'intégration de l'égalité homme-femme et l'autonomisation des femmes et jeunes filles aux technologies de l'information et de la communication. Également favoriser les conditions de cybersécurité et de cyberdéfense. Bien avant, le secrétaire général et sa suite se sont rendus à l'ambassade de la RDC en Roumanie. Question de présenter les civilités au chargé d'affaires en pied de la RDC en Roumanie, Léopold Abi Bolomalissa, qui a mis tous les moyens nécessaires pour que le séjour de cette délégation à Bucarest se passe dans les bonnes conditions. Profitant de son séjour au pays des Klaus Loaris, le secrétaire général Vincent Ikimba, accompagné des chargés d'affaires et le Paul Abibo, ont visité la résidence emblématique de l'ancien président communiste Tshisekedi, une façon pour aider rendre hommage à celui qui fut l'ami de l'ancien président congolais Joseph Désiré Mobutu. Pour rappel, le ministre des PTNTIC, Augustin Kibasamaliba, qui a également pris part à ces assises, avait réussi à obtenir l'élection des trois pays membres de la SADC au Conseil de l'Union internationale des télécommunications. Dans la province de l'Ituri, où les retours des personnes déplacées dans leur milieu d'origine demeure une priorité de l'administration militaire. Et pour s'y faire, toutes les communautés ituriennes devront suivre le procédure de retour volontaire élaboré par le gouvernement de la République et ses partenaires, notamment la coordination provinciale de protection civile. C'est ce qu'a fait le gouvernement lors d'une interview exclusive. Suivez. Plus des actions pour pacifier l'Ituri, le gouvernement de la République via le ministère des Affaires sociales apporte constamment des aides humanitaires aux déplacés de la province. D'ici quelques jours, plus de 110 ménages, en majorité de pygmées, vont bénéficier d'une assistance humanitaire en vivres et non vivres. Ces déplacés étaient victimes des atrocités de groupes armés au mois d'août en chefferie de Wallis-et-Vonkoutou, a dit Maître Christophe Amouda, conseiller politique du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, au sorti d'un échange ce lundi avec le gouverneur militaire de l'Ituri. Nous disons donc à nos frères et sœurs ituriens, donc s'il y a des calmes, ils peuvent rentrer dans leur cité. Parce qu'on est en train d'évaluer comment est-ce qu'on peut aider cette population à regagner donc leur milieu d'origine. Pendant ce temps, des centaines de déplacés continuent à retourner dans leur village, dans la région de Fataki, en territoire de Djougou. Ceci grâce à la paix imposée par l'administration militaire, chapeautée par le lieutenant-général Luboyanka Chimadjouni, a reconnu le médecin-chef des zones de santé rurale de Fataki, docteur Jean-Baptiste Dragiro. Depuis environ 4 mois, il y a renforcement en fait, de la sécurité par l'armée et par le gouvernement militaire. On n'a pas enregistré vraiment des cas de tuerie ou de massacres. On n'a pas enregistré non plus des évasions quelconques dans les structures sanitaires et ailleurs. Il s'y est de noter que de nombreuses agglomérations, c'est la Bunyakomanda et Bunyamungwalu, vidées de leurs habitants
avant l'instauration de l'état de siège sont à nouveau peuplés et la vie y a repris normalement. Et d'une province à une autre, le secrétaire général de l'UDPS qui poursuit son séjour dans la ville de Kisangani, Augustin Kabuya, a déployé plusieurs activités sur place avec toutes les couches des forces vives de cette province. Question de se rendre compte des réalités locales et remercier la population pour son accueil dans cette ville. Reportage à Lembikai. Après son méga meeting dans la ville de Kisangani, le secrétaire général de l'IDPS a échangé avec toutes les couches sociales des forces vives de cette province. La première à dialoguer avec lui, c'était les épouses des militaires et policiers qui se sont mobilisés au camp Kitele pour écouter leurs hôtes. À l'occasion, ces femmes ont présenté à l'envoyé de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo leur desiderata. Dans sa réplique, Augustin Kabuya a rassuré ses interlocutrices du soutien des chefs de l'État aux familles des militaires et policiers avant de les remercier pour l'accueil lui réservé les jours de son arrivée. La construction des hôpitaux et des écoles modernes dans les camps militaires prouve à suffisance que le commandant suprême des forces armées et de la police porte les familles des militaires et policiers dans son cœur, a-t-il conclu. Après l'escorte de Augustin Kabuya, s'est dirigé vers les sièges des femmes veuves réunies au sein de l'Union des reines veuves du monde. Sur place, le secrétaire général de l'UDPS a demandé à l'assistance de porter le président de la République dans ses prières, car Dieu est un mari de veuve. Vous devez aussi prier pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, votre fils, en 2023, a-t-il recommandé. Dans sa politique de proximité avec la population, le secrétaire général s'est rendu aussi aux mosquées centrales de la commune de Kisangani pour remercier la communauté musulmane et solliciter leur soutien aux actions du chef de l'État. À l'archidiocèse de Kisangani, le secrétaire général est allé présenter ses civilités à Monseigneur Marcel Outembi et remercier les fidèles catholiques pour leur présence à son meeting du samedi 15 octobre dernier. Politique toujours. Un jour avant son arrivée, les cadres et militants de l'UDPS Kisangani ainsi que certains partis alliés à l'UDPS ont réservé un accueil chaleureux au secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya. Mais revivons ce qu'a été l'ambiance avec Oscar Mbalkaïge. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS constitue un véritable parti de masse. Les forces vives de l'UDPS et d'autres partis alliés ont tous azimuts réservé un accueil chaleureux au secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya, à son arrivée à Kisangani, une façon de soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'accompagner ainsi aux prochaines élections. Dans la panoplie des drapeaux qui ont flotté ces jours, celui de l'Union pour la réussite du Congo que dirige Simon Ekamba, surnommé le Petit Béton. Un jeune Congolais de 38 ans qui ne jure que pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au scrutin de 2023. Cette jeune formation politique créée en 2019 a mis la barre très haut pour pousser les présidents de la République à la victoire finale lors du scrutin de 2023. Après Kisangani, Ureco se déploie sur toute l'étendue du territoire national. Pachoff au Rassemblement des Forces du Progrès, cette structure de la jeunesse au sein du parti au pouvoir a réarmé ses membres en prévision justement de la réélection du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023. Reportage Junior Yangumba et Alain Bikay. Avec le thème Force du Progrès, nouvelle ère. Les jeunes de la Force du Progrès étaient venus nombreux pour écouter les mots d'ordre de la hiérarchie à quelques mois des élections. Le pays est en proie à l'insécurité. Nous devrons nous mobiliser pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi en 2023, a déclaré le secrétaire général de la Force du Progrès de l'UDPS. Pour le professeur Patrick Onoya, cadre de la Force du Progrès, après avoir étalé les cinq principes de la conservation du pouvoir,
Il a invité les Congolais de s'allier à cette jeunesse pour la réélection du chef de l'État en 2023. Nous sommes à 14 mois des élections présidentielles. La Force du Progrès veut lancer un message de dire que nous devons, le peuple congolais doit compter avec la Force du Progrès qui va militer pour la réélection du chef de l'État, mais aussi qui est en train de s'étendre sur toute la République démocratique du Congo. Rappelons que le 10e président, Rémi Koumima, a innové en inscrivant 250 membres de la Force du Progrès à l'UNPP pour l'apprentissage et 250 autres autodidactes pour les examens d'État. Et on termine ce chapitre politique avec ces lots de motos remis à la Fédération de l'UDPS Tshikapa, province du Kasaï. Le conseiller du chef de l'État en charge des mines et représentant du secrétaire général Augustin Kabuya a effectué les déplacements de Tshikapa pour remettre les engins roulants en vue d'augmenter la motivation de redynamisation des activités du parti à la base. Reportage Rodépanda. L'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS, déjà prête pour les échéances électorales de 2023. Dans cette optique, des motos ont été remises aux dirigeants de la fédération de l'UDPS Kasaï Tshikapa dans le but de redynamiser les activités du parti à la base. C'était en présence de plusieurs notables. Pour les représentants du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya, Maître Crispin Mukendi, membre du collège de conseillers au cabinet du chef de l'État en charge des mines, ces engins roulants doivent contribuer dans la réalisation d'un travail de qualité en vue d'amener tout le monde à l'adhésion au parti. Il a demandé à Dona Mwamba, président de la fédération, d'en faire bon usage. Richard Wané Tchenda, l'un des notables au sein du parti, a eu la primeur de remettre les contacts aux utilisateurs, tout en leur demandant de travailler pour que l'UDPS gagne la majorité présidentielle. C'est un signal fort pour notre fédération. Ça va vraiment nous permettre enfin d'aller presque partout pour la redynamisation de notre parti, d'aller permettre que moi je gère. Il y a l'espoir que prochainement, nous allons rafler, je dis bien, nous allons rafler la majorité, que ce soit à la députation nationale, pourquoi pas à la députation provinciale. Maître Crispin Mukendi ne gire que pour la majorité de l'UDPS au Parlement. Nous avons pensé doter cette fédération de moyens de placement pour bien installer l'UDPS Tshisekedi. L'UDPS Tshikapa réaffirme son soutien total au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses actions innombrables en faveur de la population congolaise et lui rassure de le porter à cœur maintenant jusqu'aux élections prochaines pour garantir sa victoire. 315 sur 400 bénéficiaires d'un financement de la BAD ont été sensibilisés par Claude Malouma, président de la Chambre de commerce Investissement Congo d'abord à Kinshasa. Ce dernier invite ces jeunes entrepreneurs à plus de responsabilités dans la mise en place de leurs projets. Reportage Gaëtan Magala. Investissement Congo d'abord, une chambre de commerce qui prône l'appropriation de l'économie congolaise par le Congolais, sensibilise ces jeunes entrepreneurs bénéficiaires de crédits octroyés par la BAD à travers un concours du projet Fréjade. Il y avait un concours par rapport aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs, et nous, en tant qu'IVCD, nous avons postulé à cela, nous avons préparé nos jeunes par la formation. Sur le 400 et quelques que nous avons posé, nous avons obtenu 315 jeunes qui ont gagné le projet allant de 10 000 jusqu'à 30 000. Au total, 315 jeunes bénéficieront de l'accompagnement de cette structure pour maximiser leurs chances dans l'exécution de leurs différents projets. Nous sommes venus leur sensibiliser la responsabilité qu'ils ont aujourd'hui parce que nous nous sommes battus pour la création, la réappropriation de l'intérêt congolais, de la richesse congolaise. Énumérant quelques patrons congolais qui ont soutenu l'économie du pays, le président Claude Malouma invite ces jeunes à la création d'emplois pour réduire le taux de chômage en RDC. C'est pour cela qu'on leur dit, en obtenant cette subvention, qu'ils soient conscients, qu'ils portent la responsabilité de l'IBCD et du Congo démocratique pour enfin de créer l'emploi pour ce pays. Deux activités qui entrent dans le cadre de la politique du président de la Chambre de commerce Investissement Congo d'abord pour permettre aux Congolais non seulement de booster leurs économies, mais aussi de créer une classe moyenne congolaise et de s'approprier leur économie.
Et parlons société dans ce journal avec les embouteillages qui sont légion dans les rues de Kinshasa, surtout aux heures de pointe et à certains carrefours. C'est presque tout le jour qu'il y a des bouchons, cas des avenues des Huileries, le boulevard Lumumba, le tronçon Libération, ex-24 novembre et l'avenue Kasavubu. Le constat fait par nos reporters, regardez. Circulation n'est plus fluide sur bon nombre des routes dans la ville-province Kinshasa. Tel est le cas de l'avenue Kasavubu à partir du rond-point Mollard jusqu'au-delà de la cité Oasis. Dans notre ville de Kinshasa, il y a beaucoup d'halteurs, mais il y a plein d'embouteillages. On ne comprend pas. On est en train de se poser des questions. Mais personnellement, ce que moi j'ai compris, il y a un problème avec nos roulages, il y a un problème avec le conducteur. Le conducteur ne respecte pas la circulation routière et puis les roulages, ils ne font pas leur travail comme il faut. Alors pour cela, j'ai voulu un peu parler aux autorités qui puissent un peu veiller sur ça. Il y a des carrefours multiples sur le même tronçon. Des fois, le roulage n'arrive pas à maîtriser. Il y a aussi des carrefours qui sont neutres, mais des fois, les roulages sont là, mais ils sont en train de stopper les véhicules pour leurs intérêts. Le boulevard Lumumba ne fait pas exception non plus. Il en est de même des avenues des Huileries, tronçon 24 novembre, Triomphal, boulevard Sendoué, j'en passe, et des meilleurs. Concernant les embouteillages à Kinshasa, il y a beaucoup d'aspects qui causent les embouteillages à Kinshasa. Si je dois les ramasser comme ça, je prendrai d'abord le comportement des usagers de la route. Quand je parle des usagers, je vois beaucoup plus les conducteurs, les chauffeurs des taxis, taxibus et les motards. Donc il y a un problème dans leur conduite. Le stationnement, le parking ne sont pas vraiment respectés. Nous les chauffeurs, nous en avons marre des embouteillages qui, de fois, nous prennent 2 heures. Du temps. Nous nous battons juste pour trouver de quoi nourrir nos familles. Nous avons des comptes à rendre aux propriétaires des voitures. Le pouvoir public doit absolument construire des nouvelles routes pour décongestionner l'actuel réseau routier qui est inondé par les charrois automobiles quinois de plus en plus croissants. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sautes gens, dit-on, et un vendeur ambulant vient d'être primé pour sa bravoure et sa distinction dans son accoutrement pendant l'exécution de son petit commerce. Jérémy Mwanda, c'est son nom. Ce dernier exerce son job ambulatoire sur les grandes artères de la capitale. Reportage signé Béatrice Chaco. Dans les grandes artères de la capitale, les vendeurs ambulants sont visibles. Ils vendent plusieurs articles divers aux usagers de la route. Jérémy Mwanda se distingue des autres à travers sa mise, toujours en costume et très propre, valorisant ainsi son petit commerce. Il propose aux conducteurs et passagers des lots. Remarqué par le rassemblement des jeunes patriotes qui encouragent des valeurs, Jérémy Mwanda a été primé par cet ASBEL à son siège social. Par la même occasion, d'autres valeurs ont reçu également le prix de la reconnaissance. C'est le cas de Clémence Candité qui a gagné le concours national d'éloquence. Je tiens vraiment à remercier le président fondateur ainsi que toute son équipe, tout son comité pour tous les efforts fournis pour que cette activité soit effective en ce jour. Une fois de plus, je vous dis merci. Multipliant ses actions sociales, l'ASBEL RJP, à travers son président Kimbi Kinkela, a payé les factures des maternités en faveur des femmes retenues aux hôpitaux. Le coordonnateur de RJP explique. Comme dans nos habitudes, nous étions encore descendus dans des établissements hospitaliers pour faire toujours ce qu'on a eu toujours l'habitude de faire. Chaque week-end, nous avons pu libérer les femmes ayant accouché et nous avons aussi intervenu pour des cas, des opérations. Le rassemblement des jeunes patriotes s'est dit s'inscrire dans le cadre de la vision du chef de l'État, celle de placer l'homme au centre de toute action. Fin de ce journal réalisé par Yolande Voka et ce journal a connu le concours rédactionnel de Patricia Ungu et de Karen Tedelegui. Merci de l'avoir suivi. À très vite. Au revoir.